Salut à tout le monde, cette vidéo j'espère que vous allez bien. Alors déjà, excusez-moi parce qu'en fait, hier je crois j'ai sorti une vidéo où je disais justement que la... Bon après je pouvais pas vraiment le savoir mais... Que la nouvelle saison, enfin la seule saison du coup, saison 1 arriverait aujourd'hui le matin. Mais en fait l'heure n'était pas annoncée du coup je pouvais pas vraiment le savoir. Et elle arrivera seulement vers 18h, 19h. Du coup, ça, c'est une vidéo, on va dire, info du coup sur la chaîne parce que j'avais plusieurs trucs à dire. Et en même temps, sur Multiversus, à quoi vous attendre pour ce soir. Déjà, on va commencer par la chaîne. En plus de ça, vous aurez un gameplay tout frais, tout chaud que je viens de faire. Même si je me fais humilier à un certain moment, mais bon. Alors, déjà pour la chaîne, là, depuis quelques temps, j'arrive à sortir une vidéo par jour. Du coup, là, ce que je voudrais faire, c'est sortir deux vidéos par jour. Une vers le matin, et une deuxième un peu plus tard. Soit j'en sors une dans l'après-midi, et une vers 22h, ou une, je sais pas, à 10h, et une autre à 16h. En gros, j'essaierai d'en sortir... deux un peu écarté quand même mais voilà quand même. Ensuite je leur vous remercier parce qu'on était on est de plus en plus sur la chaîne petit à petit ça commence à venir et aussi je pense l'avoir déjà dit mais merci beaucoup pour Minecraft genre je vois que ça plaît à pas mal de gens même si je m'y attendais pas trop genre les premiers épisodes ils ont pas dépassé les 20 vues, je pensais pas que vraiment le dernier épisode allait aller aux 80 vues. Mais bon, tant mieux, voilà. Ensuite, du coup, je vais faire un maximum de vidéos. Il y aura, si je me trompe pas, d'autres nouveaux jeux comme Multiversus qui là maintenant est devenu un jeu à part tellement je l'aime bien. À la base c'était juste un jeu... que je devais tester et tout, me faire un avis et tout. Mais au final, il est incroyable, c'est tout. Nous aurons du Fortnite, bon pareil, ça on va continuer à chaque grosse mise à jour, genre nouvelle saison, tout. Normalement, pareil, nouvelle saison qui arrive bientôt, je crois, si je me trompe pas, le 9 septembre. Je crois c'est ça, ou peut-être un peu plus tard, ou un peu avant. Ensuite, à partir du 1er septembre, je pourrai plus faire deux vidéos par jour, mais j'essaierai quand même d'en faire une vers 15h, 16h, une. Et puis après, si je peux, peut-être une deuxième dans la soirée, mais c'est très peu probable. Et puis, voilà. Ensuite, en jeu qu'on pourra continuer à faire, bah du coup, la série Minecraft. Pareil qu'on va continuer. Quoi d'autre? Alors qu'est-ce qu'on avait? Bah Multiversus. Plante vs Zombie pour ceux qui se demandent pourquoi j'en fais plus. Ouais j'enchaîne les thèmes voilà. Pourquoi j'en fais plus? C'est juste parce que mon jeu bug. J'ai le jeu sur CD. Il doit avoir des rayures et son genre. Parce que du coup quand je le mets dans ma play, bah ça me lance une mise à jour parce que je l'avais supprimé avant pour faire de la place et tout pour installer un autre jeu. Et bah au final quand je veux le remettre ça me fait une mise à jour du coup moi je trouve ça normal. Je fais la mise à jour et à la fin de la mise à jour genre ça passe de 1 minute à 1 heure, 2 heures, 3 heures jusqu'à ce que le jeu crache. Du coup je peux plus l'avoir. Ensuite Rocket League ça fait longtemps. Mais je pense pareil, on va en refaire. Parce que, ouais, c'était juste, ça faisait longtemps. Suite le let's play de Ark, pareil, continue. On va pas le lâcher, il continue. Et puis c'est déjà pas mal. Ensuite, pareil, on continuera les jeux autres et les lives. En attendant. Bon, passons à Multiversus. Du coup, normalement, si j'y arrive, parce que c'est assez dur... sur play de faire un montage parce que je fais le montage sur play du coup peut-être que vous aurez des images c'est pas sûr mais je vais essayer. Nous avons des nouveaux personnages qui vont arriver à la saison 1. On a
comment ça s'appelle, Rick et Morty, qui vont arriver. Du coup, Morty, qui devrait arriver ce soir, au moment où je ferai la vidéo. Et Rick, 2-3 semaines plus tard. On a des nouveaux cosmétiques qui vont arriver, des nouveaux skins. Du coup, il y en a eu pas mal. Par exemple, Tom et Jerry en cowboy. On a eu quoi d'autre? Je m'en rappelle plus. Ah si, je crois que c'était Superman en mode Robin. Bon, j'ai pas bien compris. Ensuite, Bugs Bunny en fille. Ouais, du coup, on a eu déjà ces trois nouveaux skins qui ont été teasés, si je me trompe pas. On aura aussi des bannières qui seront là. Trois nouvelles bannières, pareil, qui ont été assurées. Le mode classé qui arrive, qui est vraiment hyper bien. Genre moi je l'attendais vraiment, mode classé incroyable. Au moins on va pouvoir peut-être avoir des récompenses bonus avec le mode classé. Ou peut-être juste un peu comme à la Fortnite, des points qui nous feront avancer. Parce que déjà que le jeu dès le début est sorti avec un aspect hyper compétitif. Je crois genre la semaine, là je rigole même pas, la semaine où il est sorti, il y a eu un tournoi. Enfin peut-être pas la semaine mais genre le jeu... Il est sorti en phase bêta, je crois, le 26 juillet. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, il est 17h le 15 août. Du coup, ce qui fait qu'en même pas un mois, il y a déjà des champions du monde du jeu. Voilà. En plus de ça, on peut voir nos rangs qui, en duo et en solo, de où on en est, toutes nos élections et tout. Du coup, c'est hyper compétitif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme info, un mode arcade. Je sais pas quoi m'attendre. Sur les images, c'est du 2 contre 2. Du coup, peut-être qu'il y aura genre quelque chose de spécial ou des bonus en plus, un truc dans le genre, je sais pas. Mais vraiment, c'est bien, comme ça on n'aura pas que les mêmes modes. Parce qu'au bout d'un moment, je pense, ça c'est un jeu auquel on peut se lasser hyper vite. D'avoir juste les mêmes modes solo, chacun pour soi, duo, et c'est tout. Y a pas plus. Du coup, un nouveau mode plus que classé qui arrive. C'est à peu près tout de ce que je sais. Après, si je m'en fie à toutes les vidéos que j'ai regardées sur internet, du coup, il y aurait des nouveaux personnages qui devraient arriver. Avec le Rick et Morty. Du coup dans la saison 1, en plus du pass du combat où du coup on aura d'autres skins comme ceux de Rick normalement qui sont déjà assurés. Il y a eu des images où on pouvait voir ses skins et son gameplay. D'ailleurs Rick sera un mage et Morty un cogneur. Du coup ça c'est bon à savoir. Et voilà pour Rick et Morty. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ensuite, on va se retrouver dans 5 secondes dans le menu pour que je vous montre les nouveautés du menu. A tout de suite. Et nous voilà dans la deuxième partie. Du coup, dans celle-là, nous sommes dans le menu. Je vais vous montrer directement. Par exemple, nous aurons dans le menu, dans la collection, les nouveaux skins pour Tom et Jerry, Superman et sûrement plein d'autres que vous pourrez acheter directement... dans la boutique juste en dessous d'ailleurs ça là juste au-dessus de la boutique sur ce que je pointais je pense que ce sera un truc de clan. Du coup là je vous montre que dans la boutique vous pourrez justement acheter des skins par exemple qu'on a vu avec Superman, Bugs Bunny et Tom et Jerry. D'ailleurs dans la miniature je vous montrerai la fiche qui nous parle de tout. Ensuite, pour ce qui est des modes, d'arcade et classé sera juste là. Je pense qu'arcade sera juste derrière, chacun pour soi, voilà. Et le mode classé, on le voit déjà, mais on peut pas y accéder. Et voilà, c'est à peu près tout pour le menu. Et juste, dernier truc, c'est que Rick et Morty seront...